Son audition remonte à quelques mois déjà. Mais sa mère s'en souvient comme si c'était hier. Je me rappelle cette nuit-là. Il était 1h du matin et elle s'est mise à crier au téléphone. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, je suis prise en main rouge. Je me disais, il en manque deux. Ouais, je pense qu'elle va être bien ici. Quand elle mesure 1m77, c'est l'une des 5 nouvelles recrues. Accompagnée de sa mère, elle s'installe à Paris. Ah, elle est crochée. Ah. Et pour lui faciliter la vie parisienne, le cabaret lui prête un appartement à deux pas. C'est intéressant la télé. Ah ouais, regarde le moulin rouge. Ah, oh, c'est le moulin rouge. Jeff, le moulin rouge. Tu regardes les filles? C'est ça. Ça donne envie. Tu regardes les filles du moulin rouge. Oh. C'est du sport. État de transition pour toute nouvelle danseuse. J'ai plus de souffle. Une fois engagée. J'en avais des palpitations. Ça c'est les artistes, hein. On regarde bien les spectacles, mais souvent on a plus envie d'être de l'autre côté. Il y a beaucoup de travail et il va falloir vous accompagner. Allez, prenez vos affaires et puis... Des entorses. Et après, généralement, c'est ne tourne pas non plus trop le haut trop main. Sinon, c'est le SAMU, quoi, le 15. S'il y en a qui sont sur scène, mais... Ça va aller. Non. Là, une fois, je me suis juste bloqué le dos, en fait. Au lieu d'enlever mes chaussures, j'avais plus à me relever. Ça bloquait tout seul. Mais voilà, c'était plus la fatigue, mais c'était pas vraiment sur scène. Les Français ne pensent qu'à eux. Plusieurs extensions en même temps. Les pieds. Ça, c'est génial. Les deux. Jeff? Fin du show. En coulisses, elle retrouve Janet Farrar, la directrice artistique qui les a sélectionnés. Et pourquoi? Parce qu'il faut que la surprise soit pas du tout spectacle, mais du spectacle. Elle découvre leur famille et leur grande maison à 15 000 km d'ici.